J'ai choisi l'IAE pour reprendre mes études parce que l'IAE prend en compte les profils professionnels. Donc c'était parfait pour une reprise d'études après avoir passé du temps en entreprise. Quand on cherche à faire un doctorat, c'est très important de travailler avec quelqu'un qui est intéressé par notre thématique. Donc moi, j'avais repéré auparavant mes directrices de thèse qui travaillent sur la marque et c'était plus qu'une aubaine. Donc voilà. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai entamé le processus. En termes de formation, je ne pouvais pas espérer mieux, mais aussi en termes d'apprentissage, plutôt de soft skills, je pense que l'environnement est adéquat pour vraiment se développer et pour évoluer tout simplement en tant que personne. Cette formation m'a rendue capable d'enseigner. Alors avant, j'étais en entreprise, j'étais dans une multinationale et ça m'a ouvert les portes de la recherche que je ne connaissais pas du tout. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs, avant même de finir ou de soutenir ma thèse, ça m'a ouvert les portes de la possibilité d'enseigner dans des universités et sur ce qui n'était pas le cas avant. Alors sur le plan personnel, et là c'était la grande surprise, ça m'a permis, grâce à mes directrices de thèse, de développer ce qu'on appelle une écoute qualitative que je n'avais pas avant. Certes, c'est parfait pour le travail auquel je me prédestine, mais c'est tellement enrichissant d'avoir ça dans sa vie de tous les jours, arriver à comprendre les autres. Et donc, c'est un cadeau inestimable, hein, vraiment. Quand on fait une thèse, c'est minimum 3 ans, ça peut prendre plus. Donc être dans un environnement riche humainement qui va venir vous soutenir, c'est très important pour réussir votre thèse, chose qui est possible et qui est le cas à l'IAE en fait. Donc moi j'encourage toute personne à entamer son cursus doctoral au sein de l'IAE de Paris. Dans la recherche, comme dans la vie, il faut foncer. Si c'est bon ce qu'on fait, ne cherchez pas, avancez.